Yomede! Ah! Non, c'est pas ça. C'est l'autre. C'est l'autre. Yomede! Un deuxième tas de cendres. Tandis que Irabès profite. Elle peut attaquer. Auric n'a jamais été aussi en forme. Deux coups puissants de la part d'Irabès, dont un qui arrache une des cornes de la créature. Qui, fort peu joueuse, va tenter d'attaquer Irabès, parce qu'il n'y a pas de raison. Ah bah non, il faut pas attaquer les copains. Si tu veux, elle peut faire demi-tour et venir vers toi. Hein. Non. Il y a un des coups de sabot qui touche Irabès, qui commence un peu à vaciller. Elle est au bout de sa vie, mais elle est toujours vivante. Voilà. Kolnesh. Le gros méchant pas beau ici, là. Ouais. Rappelle-moi la définition que t'avais faite à. Alors, il résiste. Ah, c'était lui ou c'est l'autre? C'était lui. Il résiste aux éléments, il résiste à la magie, il résiste aux dégâts. C'est de la merde, donc. Ouais. Apparemment, il est de cette bâtarde. On m'a dit que je faisais un D6 plus 4 avec flamme. Ouais. Bon, alors, je bois une mixture pour bombe ciblée. Ouais. Qui va doubler mon bonus d'intel à ma prochaine bombe. Ouais. En retirant son effet d'aspersion. Ouais. Et je lui balance une bombe. C'est pas un sort, ta mixture pour bombe ciblée? C'est un extrait. Ouais, donc tu peux pas faire boire un extrait et lancer une bombe. Ça te prend une action simple pour la mixture pour mon petit blé, donc après il te reste un. Une action de mouvement, ouais, d'accord, dans ce sens-là. Une action okay. De mouvement. Vraiment falloir accélérer certaines compétences. Oh, chier. Au pire des cas, je balance directement une bombe, hein. Donc bombe, explosive, précision, tout ça. Ouais, pas de problème. Tu me fais ton jet. Ok. Ça touche, mais elle s'en fout. À ce point-là? Eh ben merde alors. Ok. Y a quelques poils qui crament. Bombe, ça a peut-être un petit effet, mais sans plus. Ok. Owen. Je vais finir avec un déplacement de. Oui, pardon. Non, c'est pas grave. C'est moi. Du coup, je pense que je vais faire. Il faut que je retrouve l'action. Je sais plus comment ça s'appelle. Le stick. Un coup douloureux. Coup douloureux, tu remplaces les dégâts par des dégâts non létaux et je sais plus exactement. Et je fais un test d'intimidation avec en bonus. Les dégâts. Les dégâts. Pour la secouer et lui donner moins 2 à ses jeux. Bah écoute, voilà. Elle tombe dans les pommes. Ah. Ça sert à quelque chose de faire l'intimidation derrière. Pour le style. Pour le style, est-ce que je peux faire. Vas-y, fais ton jet d'intimidation. Voilà, pour le style. Hein. Et donc plus 14, évidemment. Voilà. Et tu restes au sol. Reste couché ou ta place. Et là, on est tous intimidés par ta puissance vocale et on a tous le malus secoué. Lui va faire un jet de vigueur. Ah, mais non, il est juste assommé, c'était du non létal. Kaliawen. Kaliawen va essayer de continuer de taper le gros machin là, hein. Il n'y a pas besoin de jet, tu me lances juste tes dégâts.
Elle est assommée là. Hein. Elle est en PV négatif, mais comme c'était du non létal, elle est assommée. Après, si vous voulez tenter de l'interroger après, au livre non, non. Ou un... Ah ouais, non. Je vais quand même lancer. Voilà. Voilà, bah du coup. Putain. Félicitations, tu l'achèves. Je fais une créature au sol, bon. Quelque part, Kaliawen est très contente de ce qu'elle vient de faire. Gros défi. C'est moi qui t'ai eu. Et même pas mal d'abord. Enfin, Kaliawen a même pas mal d'abord. Ouais, Kaliawen a même pas mal. Moi par contre, putain, je le douille un peu, hein. Je dois vous avouer. Par contre, là, il va falloir essayer de sauver Micheline, hein, parce que... Alors, je sais que ces trucs-là ont des trucs sympas aussi. Putain, mais c'est énorme. Oh. Ça, c'est le deuxième haut, c'est après avoir ça, vu. Ça, c'est la portée. On est tous dedans. Ok. Le test de vigueur pour tout le monde, s'il vous plaît. Alors, tout le monde me fait un jet de réflexe, s'il vous plaît. Ah non, c'est pire. Oh là là. Le drame. Ah, ah. La suite est dramatique. Ok, donc ta macro ne marche pas. T'avais pas sélectionné ton token. Ah des si. Si, si, si. Oh là là. Ok, et j'ai oublié de vérifier la difficulté. Oh. Oh. Donc, Kaliawen. Non. Elle et pas Owen. Vous prenez 11 points de dégâts. Quoi? Les deux autres. Ah non, Auric aussi doit faire un jet de réflexe. Ah oui, effectivement. Ah, ouais. Quoi? Non, elle a pas envie, ok. Où est la fiche d'Auric? Donc, vous voyez que la mouche commence à bourdonner de manière inquiétante. Et puis, il y a un souffle d'acide qui sort de sa gueule et qui asperge... Oh. Voilà. Qui asperge tout le monde dans la zone. Les deux autres, par contre, vous prenez 5 points de dégâts. Okay, ceux qui ont réussi le... ceux qui ont réussi leur jet. Ça change peut-être si je suis si pas là. C'est ouf. Hierro. Non, je regarde si je suis en bonne santé encore. Oui, tout juste. Normalement. Tout juste, tout juste. Test de connaissance sur le périton, cette fois-ci, pour savoir si c'est un extérieur mauvais. Vas-y. Connaissance plan, on a dit pour ça. Moi, on veut dire plan. Bon, comme tu veux, hein, je dis ça au pif. Hein, mais... nature. Nature, tu préfères. Ah oui, c'était nature, autant pour moi. Nature. Mais là, c'est plutôt j'ai raté nature. Pourquoi je vois pas nature? Excusez-moi. Nature, c'est dans les connaissances. Plus 2. Ce n'est absolument pas un extérieur mauvais, c'est une créature magique. D'accord. Je change mon jugement pour que mon arme soit considérée comme magique pour ce qui est d'ignorer la réduction de dégâts. Et je tire une flèche de fer froid standard sur le périton. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le périton, d'ailleurs, a une réduction de dégâts, sauf face aux armes magiques. Voilà. Ah, par contre, ça, c'est une flèche de merde.
Par contre, oui, ça ne touche pas. Il est en train de battre des ailes, ce qui dévie ta flèche. Et Auric, va se prendre une attaque d'opportunité pour venir là. Parce que de toute façon, les mouches, elles sont nulles. Voilà. Et... commence à prier sa déesse. Tous ceux qui sont dans le cercle là récupèrent 6 points de vie. Oui, points de vie, pardon. D'ailleurs, c'est pas de sa part. Je lui ferai la brise après coup. Ah oui, mais j'avais perdu que 5. Ne déconnons pas. Oui, vous êtes niveau 4, hein, donc oui, c'est... Bon, d'ailleurs, normalement, c'est 2d6, mais comme j'ai rajouté 4, ça sera... voilà, Irabès se met en défense totale. Voilà, c'est son action. Et question pour Iron, vite fait. T'as complètement abandonné le corps à corps ou... Abandonner, non, mais... C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, voilà. Lui, je vais carrément l'enlever du tour. Voilà. Colnèche. La mouche. La mouche. Mon sort flamme continue, vu que c'est une minute par niveau. Alors, à partir du moment où tu l'utilises sur quelqu'un, ça se dissipe pas. Il a pas attaqué Michel Volant, là ? Si, il a attaqué, il a complètement échoué face à Irabès qui s'est mis en défense totale. En fait, chaque fois que j'utilise Flamme, ça utilise une... Une utilisation journalière. Oui, mais la durée est d'une minute par niveau, et chaque attaque consomme une minute de la durée du sort. Il te reste deux attaques avec ta Flamme. Donc l'équivalent de 2 minutes, ouais. C'est... 24 cases. Oui, plus large. Donc, sur la mouche. Ouais, sur la mouche. Donc, on fait ça. Attaque à distance. Ça touche. Et après. 1 des 6 plus 4. Oh. Une flamme qui vient brûler son abdomen désormais vide. Owen. Il a brûlé l'abdomen de qui le... La mouche. La mouche. La mouche qui pète. J'ai du monde devant moi, ça m'emmerde. Oh. Moi je suis pas là, hein. Je suis au plafond. Hein. Non, tu n'es pas passé près d'un mur, donc tu n'es pas au plafond. Ah bah si, depuis que je suis parti de là, alors... je suis pas eu au plafond. Alors... Si tu voulais crapahuter au plafond, fallait utiliser 3 mètres de ton déplacement pour arriver au plafond. Quand tu me dis je crapahute, tu te déplaces. Si tu me dis je veux monter au plafond, tu montes au plafond. Je préciserai. Oui, il faut préciser. Il y a Auric devant toi, effectivement. Oui, bon. Et là j'ai Auric et là j'ai. Vous êtes gentils, les gars. Bah, après, t'as 12 mètres, tu peux faire 1m50 et puis te déplacer jusqu'au contact, quoi. De n'importe laquelle des créatures, tu ne peux juste pas charger. Non, j'ai que 9 mètres, en fait. Que monsieur Iron a raison. Ah, et que mon armure intermédiaire me fait perdre 3 mètres. Donc... Ah. Bon, mais c'est pas grave, écoute, je suis... Ouais. 1m50. 1m50, et puis là. Voilà. Allez, là. Je te laisse la flèche. Alors, oui. Du coup, c'est qu'un déplacement. Oui, tu peux faire un deuxième pour venir au contact d'une des deux. Au choix. Attends. Je regarde un truc. Laisse-moi 15 secondes.
que je retrouve le skill. Ouais, je vais faire un ordre assassin. Ça fait quoi ? Si ça réussit, ça ordonne à la cible d'attaquer, enfin d'essayer de tuer son allié le plus proche. Ok. Donc c'est un jet de volonté pour annuler. La difficulté, ça doit être 11 à mon avis, ou 12. Non, 11 je crois. C'est un sort de niveau 1 donc. Oui. Sur la bouche, énorme. Ouais, qu'elle a réussi largement. Oui, je peux en douter. Ok. Kala, que fait Kaliawen ? Alors, Kaliawen va charger une réserve de coups élément feu dans son arme. Ouais. Non, je peux pas me déplacer, il reste une minute, donc... Ouais, non, bah ce je... Ce sera pour utiliser plus tard. Et elle va se déplacer... Ok. Normalement... Tu peux faire un double déplacement, au pire des cas. Non, parce que c'est une, ah action... Non, oui. C'est une action simple, la réserve de coups. Ok. Donc je ne peux pas. Ouais, ok, voilà. Et je vais me mettre là. Ok. Alors, vous voyez que l'abdomen de la mouche géante recommence à gonfler. Oh. Et elle va quand même venir tenter de mordre Owen. Mais tenter, hein. Voilà, elle a fait 7. Ah oui. Effectivement. Yaron. Je vais faire la même. Je vais venir là et pareil, une flèche de fer froid sur le périton, considéré comme arme magique. Ok. Avec le token, c'est mieux, pardon. Oh non. Ouf. J'ai bien fait de me mettre là. Irabet est plus ou moins à l'abri de ma connerie. Bon, on va prendre la table des échecs critiques de Pathfinder. Hein, allez, on voit. Parce que voilà, ça commence, il commence à y en avoir trop. Oui, puis j'en ai pas fait tant que ça, en fait. C'est normal que je vous fasse un peu aussi. Un D52. Pour les 52 effets possibles des échecs critiques, je fais 7. C'est une attaque à distance. Alors, en fait, tu cours, tu te plaques au mur, tu tournes, tu bandes ton arc. Mais tu sais pas pourquoi, t'as perdu l'équilibre, tu as un peu la tête qui tourne, tu vas être nauséeux pendant 4 rounds. Mais avec plaisir. Oh merde. Nauséeux, il est où celui-là ? Il est pas dedans, mais en c'est gros, quoi, tu fiévreux peux faire... Non, tu ne peux faire qu'une action de mouvement. D'accord. Voilà. Auric. Voilà, merci Auric. Irabès va rester en défense totale. Comment la misère? Non, c'était pas ça que je voulais faire. Et puis s'est déplacé deux fois, il peut pas attaquer en plus. On a perdu une Kimi. Hein. Ouais, c'est ce qui semblait, ouais. J'en ai ma claque. Je disais, Irabès en défense totale déflecte toutes les attaques et s'attaque à le neige. Je grimpe au mur, puis plafond. Ok, déplacement. Ça te prend 3 mètres. Donc les 3 mètres restants ici. Ok. Et dernier coup de flamme. Ok, sur qui ? Ah, la grosse bestiole là-bas, je peux ? Derrière Auric ? Oui. Eh ben. Allez. Il faut faire ton attaque à distance d'abord. Ah oui, tant pour moi.
T'avais pas le raccourci en... Bon. Qui je brûle je Bon, note. Bah, on va faire la même, hein. Tiens, ça ira très bien comme musique. Alors, excusez-moi. Donc, les échecs critiques. Dix à l'attaque magique. Tu dois refaire un jet d'attaque, mais qui cette fois visera Auric. Ok. Okay. Ça le touche. Et donc je fais mes dégâts maintenant. Tu fais tes dégâts maintenant. Oh putain. Voilà. Oh putain. Une flamme qui pénètre son armure et vous entendez un Yomeda. Voilà. Owen. Tu diras à Auric quand il va revenir, au fait, t'es mort. C'est pas grave, hein, ça va bien se passer. Bon, bah, je vais attaquer la mouche avant qu'elle nous se remette à nous cracher sur la tronche. Voilà. T'es sûr de vouloir faire ça? Quoi? Ouais, je sais pas. Ah, perforant sur une mouche qui a gonflé, c'est peut-être pas terrible. Parce hein que tu l'oblitères de la réalité. Ah. Kaliawen. Oui, t'as fait 18, 22 dégâts alors qu'il lui restait 8 points de vie. Et donc, Kaliawen va faire un truc, elle l'espère, très sale. Très sale. Ah, quoique, je ne sais, oui. Ah, ben non. Essaye de pas tuer Auric. Alors, oui, mais. Oui, mais non, parce que comme je ne l'ai pas fait sur le même tour, je pourrais pas faire l'action complètement pétée. Donc, on va s'approcher et on va taper. Vas-y. Bon, enfin, d'abord, on va espérer que ça touche. Et ensuite, on. Ah oui, ça touche. Ah oui, ça touche. Ça ne confirme pas, par contre. Et le coup magique, c'est quoi en plus? Que je revérifie, c'est 2 ou 3 D6. 2 D6 de dégâts de feu. Ok, vas-y. 6. Ok. Un coup puissant qui lui brise une de ses ailes, ses plumes et son et sa fourrure prennent feu et la créature s'effondre. Oui. Elle est morte de décès. Et je propose qu'on fasse une petite pause là maintenant. Oui, oui, merci, j'en ai besoin. Petite question. Il faut que je passe au magasin. Ah, quoi. Oui, la petite question. Ça fait combien de temps in-game? Depuis le début de la garnison. Depuis le début de la garnison, ça doit faire 15-20 minutes. D'accord. Non, je compte parce que j'ai 40 minutes de cognatogène, alors faut que je fasse gaffe. Oui, non, il devrait si. Durer jusqu'à la fin. D'accord. Bon, bah, pause. Hein. Pause, voilà. Je vais couper le micro sur le stream. On revient tout à l'heure.